Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien et aujourd'hui on va ouvrir des cadeaux qui commencent par l'ordre alphabétique. En fait on va faire dans l'ordre alphabétique. D'abord il faut que je trouve un A, après un B, après un C, etc. etc. Je pense pas qu'on aura le temps de faire toute l'alphabet d'affilée, mais on va essayer. On va essayer, donc voilà, apprenez l'alphabet avec 15 L, bonjour, enchantée. Et bah du coup on va commencer par chercher quelqu'un dont le pseudo commence par un A, et c'est parti. Alors attendez, je pense qu'on va quand même prendre en compte les symboles, c'est-à-dire que là, on va dire que ça compte quand même, parce que sinon ça va être un peu compliqué de faire tout l'alphabet. Du coup vu qu'il y a un symbole avant, on va pas compter le symbole, et on va ouvrir du coup le cadeau d'Alicia. Alicia avec un peu d'exclamation. Et comme d'habitude, la louve va me tuer quand elle va voir le look final. Et ensuite, il faut que je trouve un B. J'espère que j'ai pas... Ah voilà, ouh, ça va. Je pensais qu'il y aurait plus de recherche que ça. C'est pas plus mal. Ça veut dire qu'on peut y arriver. Et là, des lunettes, ça va. Alors ensuite, avec un C... Donc faut, je pense que les XX machin et tout ça, voilà, on va peut-être prendre en compte quand même. Hein. Donc là, sinon, Camille elle est avant, donc Camille, j'allais dire ici XX Chani, ça commence par un C, j'aurais pu, mais non. Du coup, c'est beau, j'ai envie d'ouvrir son deuxième cadeau vu que j'ai bien aimé le premier, mais bon après ça va pas être du jeu. Après le C, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le D. Le D, il faut qu'on trouve quelqu'un qui commence par un D. Bah, Deleted User, on va dire que ça compte. Donc on va ouvrir le cadeau du Deleted User. Bon, je sais pas si ça devrait compter ou pas, mais... Oh, sympathique, la coupe de... Libéré, délivré. Nanana, nanana, nanana. Oui, je sais, on m'a dit déjà plein de fois, inscris-toi à The Voice, mais j'ai pas le time. Ensuite, un E. A, B, C, D, E, F, G... H, I, J, K, L, M, N, O, P. Na, 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 na. Bon, faut que j'arrête parce que je vais perdre. On avait dit A, B, C, D, E. On était au E. Là, pour l'instant, je vois pas de E. Mais ça va venir, ça va venir. Des E, il devrait y en avoir. Elena, voilà, nous avons Elena. Alors, après le E, il y a le F. Ah, nice la coupe. Il va falloir trouver quelqu'un dont le pseudo commence par un F. Alors c'est vraiment assez original parce que c'est vrai que ça, j'ai jamais vraiment fait. C'est la première fois que je prends en considération dans les j'ouvre les cadeaux les pseudos des gens. Du coup, soyez indulgents. Bon, on cherche toujours le F. Est-ce qu'il y a une madame qui commence par un F ou un monsieur? Pourquoi pas un monsieur? Qui commence par un F? Là non. Là non plus. Là non plus. Bon, je pense que je vais faire un petit peu plus souvent des choses qui prendra en compte peut-être les pseudos. Ça peut être rigolo. Là je ne vois pas non plus. Alors on est toujours, je rappelle, à la recherche d'un pseudo qui sèche linge. Pourquoi tu t'appelais sèche-linge? Un pseudo qui commence par F. Eh ben dis donc, il n'y en a pas. Il y a pas mal de prénoms qui commencent par F. Du genre, je sais pas moi, Fanny, Fiona, je sais pas. En fait, il n'y en a pas tellement que ça en vrai. D'ailleurs, si vous avez des prénoms de filles qui commencent par F, ou de garçons, Fabien, Fabienne, qu'est-ce qu'il y a encore qui commence par un F comme prénom? Même les garçons, pourquoi pas? C'est dur, hein. C'est vrai en fait qu'on n'a pas tant que ça finalement. Mais bon, après il y a beaucoup de mots anglais qui commencent par F. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui portent des pseudos qui veulent dire des choses pardon, je vais y arriver, en anglais. Sérieusement, j'espère que j'ai pas raté quelqu'un avec un F, sinon je vais me faire incendier. Pour l'instant, toujours pas de F au rendez-vous. F. Alors, si, attends, reviens en arrière, Carzel. Fleur Brigitte. Merci Fleur de t'appeler Fleur, hein, parce que sinon je serais encore en train de chercher. Hein.
Et merci pour ton cadeau d'ailleurs, merci à tout le monde pour les cadeaux. Merci beaucoup. Alors maintenant un G. Alors j'avais vu des G auparavant, mais bon, on va continuer dans l'ordre. Alors un G maintenant. Alors en G, on a quoi comme prénom ? On a Gaël. Autant pour les filles que les garçons. Georges. Ah, il y a Galaxy. Merci Galaxy de t'appeler Galaxy. Hein. Je crois que je vais remercier beaucoup de pseudos aujourd'hui. Hein. Alors, on va ouvrir Galaxy de la mode. Et qu'est-ce que nous avons là ? Je t'adore Quinzel d'ailleurs, merci pour le message, c'est trop mignon. Et nous avons une petite robe très jolie. Alors ABCDFGH. Maintenant on va chercher un pseudo qui commence par un H. H ça va pas être évident non plus. Hein. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont un pseudo qui commence par un H. Mais on va essayer d'en trouver un, vous inquiétez pas. Un H. Parce que des prénoms par H, on n'a pas non plus des tonnes. Hein. Quand ils pensent. Il y a quoi comme prénom qui commence par un H? Franchement, même là, comme ça, je ne sais pas. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Non, genre, j'en trouve même pas des prénoms qui commencent par un H. Henri. Il y a Henri. Comme autre prénom par H. Là, franchement, pas d'idée. Hein. Vraiment pas d'idée. J'ai l'impression de jouer à un baccalauréat, là, et trouver les prénoms. Qu'est-ce que j'aurais mis comme prénom fille dans un baccalauréat qui commencerait par un H? Puisque t'as Henriette. C'est vrai, Henriette, ça existe. Ne jugez pas ce prénom, hein, mais ça existe. Sinon, il y a quoi comme autre prénom? Franchement, je crois que j'aurais mis Henri-Henriette hein, dans un baccalauréat. J'aurais pas cherché plus loin. Après bon, on peut toujours espérer que quelqu'un qui avait du mal à trouver un pseudo aurait pu, aurait très bien pu mettre un H au début du pseudo pour essayer d'avoir un pseudo disponible. On y croit encore, n'est-ce pas? Ah voilà, Anna Birangi, merci d'avoir un pseudo qui commence par un H, sinon je serais encore en train de cercer. Tout à fait, Quinzel. Et un joli petit diadème. Il est magnifique. Merci pour le diadème. Ça vient pas de la pack par hasard, le diadème. Mais il est trop, trop beau. En tout cas, merci beaucoup. En plus, c'est un très beau cadeau. Et ensuite, un prénom qui commence par un I. Enfin, un pseudo. Y a quoi ? Y a I. I. Ivy. Bon, c'est pas très. C'est pas un truc français. Mais je connais des Ivy, mais dans les pays de l'Est. Sinon, bah, y a Ivanka. Ivanka, tu m'as pas fait un cadeau, s'il te plaît. C'est vrai que I, on n'a pas non plus des masses. Hein. Qui commence par un I. Je ne sais pas. Mais... Ouais, des I, il y en a... Oh, il y avait un H ici aussi. On n'a pas non plus des masses, des I. Ouais, franchement, je sais pas. Pareil, n'hésitez pas à m'aider en commentaire pour essayer de retrouver les prénoms qui commencent par un I. Moi, là, honnêtement, je sèche. Mais réfléchissons, si je devrais faire un baccalauréat, là, maintenant, et que je devais trouver un prénom garçon et un prénom fille qui commence par un I, bah, Yvan, je crois. Yvan, mais ça, mais je crois que c'est par Y, je suis même pas sûre que ce soit par un I, Yvan. Hein. Mais je crois que ça existe aussi avec un I, mais c'est un prénom de garçon. Mais du coup, pour un prénom de fille qui commencerait par un I, franchement... Bah, Ivy, mais bon. Ivy, c'est pas très le français. Hein. En France, je connais aucune Ivy. Je sais pas. Franchement, là, je sèche. Mais d'ailleurs, moi, j'adorais jouer au baccalauréat quand j'étais plus jeune. Mais même, j'arrive même à trouver des Y, mais pas des I. Inès. Ah, Inès. Mais en plus, c'est un très joli prénom. Et je connais pas mal d'Inès. Pourquoi je n'y ai pas pensé tout de suite? Inès. En tout cas, merci Inès. Tu me sauves la vie, là. Hein. Un petit tatou dragons. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, comme Jessica. Et là, juste là, on a déjà le cadeau de Juju. Je t'aime trop, désolée, j'ai que ça, mais non, t'inquiète pas. Vous n'êtes pas obligé de m'offrir des cadeaux, hein, je rappelle. Hein,
Vous n'êtes pas obligé de m'offrir des cadeaux, hein. Surtout en plus si t'as, si t'as que ça, autant le garder, hein, vraiment. Alors on va passer maintenant au K. Donc K, j'en ai vu pas mal. Les pseudos qui commencent par K. Après en termes de prénom, bah, pour les garçons, bah, Kevin. Hein, et pour les filles par contre, qui commencent par un K. Koala. Non, ça c'est dans les animaux, hein, pas dans les prénoms. prénom de fille commence par un K. C'est compliqué, hein. Caroline, mais c'est par un C, hein. Même si je connais des pseudos Carole, hein, avec un K, hein, Carole, si tu passes par là. Mais sinon, en vrai, normalement, ça s'écrit avec un C, même Carole, hein, s'écrit par un, avec un C. Mais maintenant, tu me diras, y a des gens qui donnent des prénoms à leurs enfants avec des, un peu des caractères spéciaux, comme on m'avait dit la dernière fois, quand en plein live, on m'a dit, ouais, y a des gens qui ont appelé leurs enfants Jessica avec un D, en écrivant bien avec un D devant. Bah pourquoi pas. Bon, attendez, faut que je me concentre, on est en train de chercher le K. Et je pense que ça va être le dernier qu'on va essayer de trouver avant de finir la vidéo. Alors franchement, j'en étais sûre, hein, qu'on n'arriverait jamais à faire tout l'alphabet. C'est tellement long, c'est tellement compliqué aussi. C'est tellement la concentration aussi. On est en train de chercher toujours un K. Normalement, les K devraient y en avoir. Hein, parce que bon, même s'il n'y a pas forcément énormément de prénoms qui commencent par un K, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien les pseudos qui commencent avec un K. Donc on va pouvoir trouver son bonheur. Et là, t'imagines, je ne trouve plus de K. Il n'y a personne qui a mis comme pseudo avec un K. Alors, Madame Caca. Et il y a quand même pas mal de délétères d'user, mine de rien, là. Comment ça se fait? En plus, les pages mettent un petit peu de temps à charger. Alors, on n'a toujours pas trouvé de K. Va-t-elle réussir ou pas à trouver quelqu'un qui commence par un K ou pas? Telle est la question. Bah alors, K. Où sont les K? Où sont les K, les petits pois et les carottes? C'est stylé le K. Franchement, je trouve que c'est une lettre stylée le K. Pigeon d'or. Mais pourquoi tu t'es appelé comme ça? Non mais lol. Ah, il y a une Jessica. Mais bon, on cherche toujours un K. Le K est un K désespéré. Désolée. Je suis vraiment désolée pour cette blague merdique. I'm sorry. Toujours pas de K. J'ai retrouvé des C, mais toujours pas de K. J'ai vraiment envie de trouver le K. Hein. Ouf, voilà, c'est bon, on a trouvé Kadou. Merci beaucoup. Merci. Hop. Voilà, ça ira très bien avec la couronne. Et je pense que Lalo va adorer mon nouveau look. Lalo qui avait fait mon look juste avant, qui d'ailleurs me fait tous les looks. Hein. Voilà. Donc bisous Lalo si tu passes par là. Et sur ce, moi je vais couper là la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me proposer des idées en commentaire. D'ailleurs, vous êtes. D'ailleurs, cette idée-là vient de vous également pour les pseudos dans l'ordre de l'alphabet. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live.